Tilly, voudrais-tu que je t'apprenne ce dont les bébés ont besoin? Oui. Papa est un vrai bébé qu'il prête attention. Un bébé? D'accord. Tada! Ça, c'est un bibi. Tu sais ce qu'il y a dedans? Moi, un morceau de gâteau, un cupcake. Ah, mamour, je t'en prie. À l'intérieur des biberons, il y a du lait maternel. C'est très nutritif. Alors, Tilly, tu veux y goûter? Maman, moi aussi! Moi aussi! Très bien. À présent, je vais te montrer comment habiller un bébé. Les bébés portent un seul vêtement. Ainsi, c'est facile à enfiler et à enlever. Oh oui, maman, ça paraît simple! Regarde, papa a acheté un tas de jolis vêtements chics pour toi. Alors dépêche-toi de grandir, s'il te plaît. Ah oui, et j'oubliais, il faudrait envelopper ses mains jusqu'à ce qu'elles grandissent. C'est dangereux pour elles, hein. Pourquoi? Tu tiens vraiment à porter un masque comme papa, hein? Maintenant, je vais t'en dire plus sur la façon dont les bébés dorment. Les bébés dorment beaucoup pour pouvoir devenir grands et forts. Oui, ma puce, nous sommes donc ravis de te présenter... La chambre de Tilly. Ça, c'est ma chambre? Bien sûr, mon ange. Papa a préparé cette chambre pour toi avant même que tu naisses. C'est pas mal. Et en fait, je pense que je suis même un bon papa. Tout est dans l'attitude. Mais maman, j'ai un truc important à faire. Je suis un grand papa. Oh, maman, on va s'occuper de ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites de si important? Moi aussi, je veux savoir. Dites-moi, qu'est-ce qui est si important? Je veux savoir, moi aussi, je veux savoir. Je veux le savoir. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Tilly. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Tilly. J'ai deux enfants. À mon avis, il faut aussi changer la couche de papa.